Depuis quelques temps, on entend parler des intelligences artificielles de partout. ChatGPT, Dali, même Madaron, c'est devenu une intelligence artificielle. La dernière fois, j'étais en boîte, il y a une IA qui est venue me voir qui a dit « Eh mec, t'es mignon ». Bah, moi, tout de suite, j'ai commencé à... Enfin, bref. Aujourd'hui, je vais affronter une IA sur Minecraft. Alors, le 1v1 PVP, on en a vu de partout, vous connaissez. Des serveurs 1v1 comme Badlion et Koei à l'époque, aux UHC où là, c'est clairement un FFA. Là, ça va être simple, je vais fight une IA en 1v1. Il y a plusieurs niveaux et je vais voir comment je vais en sortir. Je suis actuellement sur un serveur où j'ai la possibilité de me battre contre des bots, des IA. Et là, j'ai plusieurs difficultés qui sont disponibles devant moi. On va commencer par la première, easy. Et vous verrez que chaque IA a des particularités très spécifiques. Là, par exemple, notre IA, elle fera 3 CPS et elle aura une range d'1,5 bloc. Ce qui veut dire que ça va être vraiment facile. Sur Minecraft, d'habitude, un joueur peut taper à 3 blocs. Oh, je peux même choisir quel kit je veux. Voilà, on est parti. J'ai pris un kit... un petit peu bulle du HC, enfin bref, pas bulle du HC vu qu'il n'y a pas de soldave, etc. Mais un kit normal. On va voir comment on s'en sort. Oh, il se déplace. C'est vraiment génial. Attendez, mais le gis des coups de rod. Mais attendez, mais c'est trop bien fait. Alors, je vous promets que c'est un bot. Hein. Bon, mais attendez, mais c'est bon. Ces coups de rod sont perfects. Arrête. Mais ces coups de rod sont perfects. Attendez, je vais me concentrer un peu. Mais par contre, il me tape pas du tout. Hein. Il me met quasiment. Mais ces coups de rod sont vraiment perfects. Regardez, regardez. Arrête, j'ai l'impression de me fight contre Nagato. Ah. Mais il a gap et tout, mais attendez, mais c'est... mais c'est que le bot easy. Par contre, j'ai pas pris de dégâts. Regardez, ma vie, elle est encore full. Attendez, je full clic dans un coin. Peut-être que là, ça a marché. Oui, c'est bon. Ok, je suis content, j'ai battu le bot easy. Je suis vraiment trop content, c'est déjà ça. Bon, le premier bot, c'était un peu compliqué quand même. Il a des coups de rod vraiment parfaits. Mais on va voir ce que ça donne sur le deuxième. Il fera du 5 CPS et il attaquera à 2 blocs. Ce qui veut dire que c'est encore fightable. On garde le même kit. Et c'est parti. Alors vous voyez que la disposition de mon inventaire est un peu spéciale. Ok, il a changé de nom, c'est Pickbot. Oh non, mais c'est... mais c'est infâme. Je vais éviter de mettre les coups de rod parce que sinon on va jamais se taper en fait. Mais on se tape pas. Mais par contre, il a une toute petite range, donc encore, c'est encore fightable. Mais quand il va avoir une range aussi forte que la mienne, je pense que je suis foutu. Ok. Oh là là. Voilà, c'était plus facile que le premier en fait. Bon, maintenant qu'on s'en est sorti avec les deux premiers, on va commencer à rentrer dans le hard. Il est niveau hard, il fera du 10 CPS. Son attack range sera de 2,5, ce qui est quasiment comme la nôtre. Et là, par contre, il passe en agressive. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Je pense que agressive, ça veut dire... il a la rage un peu. Il a la haine. Genre, j'ai pécho son ex la semaine dernière. Bon, on a eu Monkey, on a eu Pig. Le prochain bot s'appelle Monkey. Ah, il est de retour en fait. Il retourne, le petit qui t'a aggra viendra te aggra. Alors là c'est du 10 CPS, donc là je pense que c'est... Oh non mais attendez, mais je vais éviter de mettre des coups de rod, hein, parce que vraiment sinon... Mais il joue trop bien en fait. Mais il joue trop bien. Ok. En vrai il faut juste utiliser juste ma rod de plus en plus tard. Mais là il est en train de... il en boucle en fait. Je vais peut-être le baiser, c'est bon. Let's go. Let's go Monkey. Je te fume moi. J'ai pas une intelligence artificielle, mais je suis un mec totalement pas artificiel. On passe maintenant au quatrième niveau, le niveau expert. Là, notre bot fera du 15 CPS et il va enfin attaquer à 3 blocs comme nous. Je pense que là, ça va être beaucoup plus difficile. Ok, maintenant, il s'appelle Waffle. C'est une gaufre. C'est une gaufre. On va jamais se mettre de coups. Par contre, il a pré-gap. Putain, il tape tellement plus loin maintenant. Oh non, c'est horrible. Oh non, je fais la merde, attendez. Mais attendez, mais il fait du Z-tap. Regardez, il ralentit quand il me tape. Ok, c'est bon. Non, mais c'est beaucoup trop chaud. Mais il recule. Oh là là. Ok, on va essayer de lui foutre un combo. Mais il pré-gap encore, donc je pense que je peux le battre sur la longue vu qu'il a pré-gap. On va se mettre à cliquer un peu plus vite. Et Tom, il a encore combien de gap parce qu'il a pré-gap. Oh là là, mais c'est tellement long. Reviens là. Ok, j'ai encore... c'est ma dernière gap. Allez, j'espère qu'il a plus beaucoup de vie. Oh, let's go. Oh, je suis plus qu'à 3 coeurs. Oh là là. J'étais tellement proche de la fin. Ça commence vraiment à se corser. Je pense que le prochain, je le tiens pas. Faudra peut-être que je joue un peu plus à l'arc. Mesdames et messieurs, le prochain bot, c'est un hacker. 20 CPS. On sait qu'il cheat. Là, c'est fini. Attack range, 3,5 blocs, mesdames et messieurs. Donc, il tape de loin et il tape vite. Attendez, mais il strafe et tout. Hein. Mais je vais mettre des flèches, oui. 1, 2. Oh, mais il tape de tellement loin. 3. Oh, mais quoi? Lâche ça. Ok. Ah, mais... non, c'est pas possible. Je sais pas comment... comment je vais faire. 5.
Oh putain, j'ai 3 cœurs. Oh là là, j'ai réussi à lui mettre un coup critique. Peut-être, en vrai, si j'arrive à le caler contre un mur. Il faudrait pas que je loupe mes coups de drop, quoi. Mais il strife trop bien, hein. Il strife trop bien, j'ai 2 cœurs. J'ai gap 2 fois. Oh putain, non, c'est pas possible. Oh, c'est vraiment... Quoi? Oh, mais c'est vraiment trop difficile. En vrai, j'ai envie de retenter une dernière fois. Mais sur un autre kit. Attendez, je veux juste voir, les gars, si on le met en mode combo. Vous connaissez le mode combo? C'est le mode où on s'envole comme des... Voilà. Oh non, ça va être impossible. Je vais me retrouver envolé. J'ai oublié le gap, en plus. En fait, il faut que j'arrive à... Attends, je vais commencer à drakik. Oh, j'ai une aim tellement aléatoire maintenant. Non mais c'est pas possible, je ne lui mets aucun coup. Je ne lui mets aucun coup. Oh là là, en plus il a une aim de fou. Oh, c'est vraiment trop chiant. What, il a perle? Il a perle? Attendez, mais il est fou. Non, je veux que tu t'envoles. Envole-toi un peu. Non, j'aurais pu là. C'est vraiment injouable, il est vraiment trop fort. En vrai, quoi, y a pas de coup de rod. Ah ouais, non. Mais... Oh là là, oh là là. Oh là 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 là, non, c'est beau, il m'a niqué. Bon, en vrai de vrai, le bot encore légit, je l'ai tué. Il me restait 3 cœurs, mais je l'ai tué. C'est à partir du moment où on a commencé à aller sur des bots qui sont pas du tout légit que j'ai commencé à paniquer. En tout cas, cette IA m'a donné d'autres idées de vidéos. Par exemple, qu'est-ce qui se passerait si on mettrait 100 IA contre un streamer. Mais pas sans IA hacker, hein, sans IA un peu débile. Ça serait trop marrant de voir ce qui se passe. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner. C'est une vidéo qui change totalement de ce que je fais d'habitude. Je vous fais un gros bisou. C'était Bichard. Bonne année. Ah, en fait, on est déjà à fin janvier, quoi. Arrête, j'ai l'impression de fight contre Nagato. Ah. Mais il a gap et tout. Mais attendez, mais c'est... Mais c'est que le bot easy. Mais c'est que...